pote du sergent, la femme du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Le rire du sergent, un matin de printemps, m'a fait comprendre comment gagner du galon. Sans balayer la cour, en chantant simplement quelques chansons d'amour. Le rire du sergent, la femme du régiment avait un cœur de troubadour. Depuis ce temps-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours un tibouin. Et ta voisine, t'en es où alors? Alors, les tomates. Si tu veux l'énerver, tu lui dis t'en es où avec ta voisine. Ah. Allez. Parce qu'il tourne un peu autour de sa voisine et... Quoi? Mais ça s'est fait ou pas alors? Alors, j'ai plus de torchons. T'as vu? Il répond jamais à ma voisine. Et elle s'appelle comment ta voisine? Alors, Vous m'embrouillez chier toute la soirée avec ma voisine. Bonsoir. Au fond de la cour, tout au fond. Tout au fond? Bien au fond, voilà. Merci. Ah, enchanté, merci. Stella. Philippe, enchanté. Bonsoir. Bonsoir. Vanessa. Enchanté, ma belle, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Rentre ici, Jean Moulin. Salut. C'est beau chez toi. C'est beau, hein. Ça va pas. Ouais. C'est belle. C'est beau, puis c'est classe. Ah, vous avez amené le grand con. On l'a pas vu faire autrement. Vous êtes venu avec le grand con. Mais par contre, non, comment ça se passe? Parce qu'on meurt de faim. Tiens. Non, non, oh, c'est gentil. Non, mais il y a tout ce qu'il parlé, faut. D'accord. Ah oui, c'est non, mais on a dit que c'était pas beau chez toi. Non, mais pas bien. Donc celle-là. Oui. Poubelle. D'accord. Je peux vous débarrasser par hasard, peut-être? Du grand con. Heureux. Merci. Bonjour. Ah, bonjour. Laurent. Salut bonsoir, Laurent. Bonsoir. 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 On s'embrasse. Bonsoir. Mes respects. Alors. Welcome. Alors. Une petite fondue de tomate. Avec voilà. Ses mais très raisins. Simple. Ça sent coco de pain Paul. Coco j'adore. De pain. Oh, voilà. Joli. C'est une petite mise en bouche rustique. Hein. Ouais, très bien. Voilà. Tu connaissais je vais Laurent? Je pense Philippe parce que Philippe n'a pas faim. Tu connaissais Laurent? Non, il n'allait rien. Je le connais de la télé en fait. Il a baisé sa voisine il y a combien de temps? C'est vrai. Il y a quoi? Il y en a très longtemps. Et pourquoi quand il fait des vannes pourries comme ça, tout le monde rigole? Alors non, en fait, c'est pas ça... drôle. C'est la gêne. C'est la pas drôle. À la non, vôtre, pas... à votre succès. Oh, allez, santé, bonheur. Il a rien, lui. Il a rien. Non, moi, je vais prendre un... J'aime pas le champagne. Et samedi, c'était énorme. Hein. C'était blindé de chez blindé. C'est incroyable. Vous avez cartonné grave. Ça a pu? Pourvu que ça dure. Le jeu de la vérité au palace. Je pensais pas que ça remarcherait, moi. J'ai pu la jouer 800 j'ai fois. Je vais vous mettre de... 500. J'ai essayé énormément au départ. Tiens, voilà, question. Je vais vous mettre de glaçons, peut-être. Merci, madame. Mademoiselle. Ça va pas durer longtemps. C'est moi qui vous le dis. On met sur vibreur ou on met sur mode avion? On s'en fout. Non, parce que ma mère va peut-être m'appeler si elle veut te parler. Comme tu veux, poulette. Okay. C'est ta Catherine ah, Deneuve qui appelle pour te parler pendant la soirée, c'est pas voilà. mal. Quoi. Je vais proposer un rôle, elle a même pas répondu, ta mère. Même c'est, pas tu répondu. Sais, c'est pour ça que je lui dis, ça, appelle-moi ce soir. La star que... au-dessus des autres, elle répond pas, quoi. Le... même pas va te faire enculer, toi. Hein. Ah, mais de toute façon. Le mépris. Non, moi, pareil. C'était Bardot dans le mépris. Pareil. Et ben maintenant, c'est Deneuve, à la tienne. Connasse, sa mère. Connasse, quand tu connasse, sa mère. Non, blague à part, les rillettes de Macron, vous pouvez y aller, là. C'est bon? Ouais, c'est bon. Dis donc. Il est super surpris. Ah bon? Non, mais dis donc, tu bien. Cuisines bien, ouais. Ouais, il cuisine super bien, Laurent. Bah, tu savais pas? Un petit peu de sel pour les tomates. Ah. Les tomates sont pas salées! Putain, c'est chiant. Tous les jours. Ouais, mais tu peux avoir une émission sur la cuisine et pas être. Mais si, il fait! Tu cuisines bien, Laurent. Ouais, j'ai tout arrêté il y a 5 ans pour passer un CAP de cuisinier, en fait, à Ferrandi. C'est vrai? Ouais. C'était super chouette. C'est un des plus beaux moments de ma vie, légumes, franchement. En fait. Ouais. C'est comme ça que tu vois, c'est le mec qui se fait ou pas. À un moment, tu t'es dit, je vais arrêter la télé pour faire... Ouais, parce que voilà, exactement. Et puis j'étais parti pour ouvrir un resto avec des potes. Et puis finalement, je me suis retrouvé à faire des émissions pour la télé. Mais voilà, c'est vrai que c'était une aventure formidable. Qu'est-ce que vous avez, vous, en fond d'écran? Lui, il a le cul de sa voisine. Fais voir ton fond d'écran, Laurent. Fais voir ton fond d'écran. Alors. Je suis en cuisine, parlez entre vous, faites connaissance. Attends, mais je voudrais voir ah non, qui est ta voisine. Ah non, ça c'est nous quatre au théâtre, en fond d'écran, mais en mode de genre... Ah, tu mets ta carrière avant tes enfants. Non, rien. Ah, quand même. T'as quoi, toi? Hum. Faut s'y faire, hein. Alors, fais voir, t'as mis quoi? Oh non. Petit enculé. Bah, de toute façon, là, je pense très sincèrement, tu me fais plaisir, tu le sais. Hein.
Tu sais que tu me fais plaisir, mais je pense qu'il va m'attaquer toute l'année, là. Là, je suis bien parti pour. Hein. C'est quoi l'histoire ? Il y a un été où je suis en... où je décide de produire ce que je ne referai plus jamais. Mais le jeu de la vérité, justement, et le jeu de la vérité 2, à Avignon, sans nous. Bonne idée. Et je mets donc des copains, et heureusement pour moi... Mais c'est pas la faute des copains. Non. Dans ces copains, la meilleure amie de Vanessa. Qui est comédienne, qui s'appelle Lucie Jeanne, qui est une comédienne formidable. Mmh. Et donc, par nécessité, je suis à Avignon, et effectivement, souvent avec elle, puisque je produis la pièce dans laquelle elle joue, qui est en plus ma pièce que je mettais en scène. Et un jour, en plein été, il y a sur Morandini, mais sur son blog, Philippe Lelouch quitte Vanessa Demouy pour Lucie Jeanne. Qui dit, bon, après 11 ans de mariage, il sort ça. Ouais, voilà, il sort ça, comme ça, tu vois, mais vraiment sur quoi, tu vois, il n'y a même pas une... Il y aurait une photo un peu ambiguë, un truc, mais non, il n'y a rien. C'est juste, voilà, il sort l'info comme ça. Il perd au tribunal, naturellement. Il est condamné à verser une somme dont je n'ai pas le chiffre en tête. Et puis, quelques temps après, donc quelques mois plus tard, je suis invité à une émission de télé qui s'appelle Cactus. Et dans cette émission, on parle à un moment du dessin animé qui devait être diffusé aux enfants d'école primaire, qui s'appelait Le baiser du poisson lune, qui était un dessin animé censé... sensibiliser les gens à l'homophobie. Les enfants. Et Luc Chatel, ministre de l'éducation de l'époque, décide de retirer l'autorisation de le diffuser aux écoles primaires, et ça fait débat. Et à un moment, donc, on me demande ce que j'en pense, et je dis, bon, je trouve que c'est une bonne chose. On envoie ces enfants en école primaire pour apprendre à lire et à écrire, pas forcément pour ce genre de choses. Alors, il y a un type qui m'objecte, pardon chérie, il y a un type qui m'objecte, mais on les traite bien de sales cons. Je dis, oui, comme on les traite de sales PD, c'est pas pour autant qu'ils savent ce que ça veut dire. Voilà, donc moi je pense que c'est mieux. Alors peut-être le diffuser, mais plus tard, et beaucoup plus loin dans la conversation, parce qu'on parlait de ça, je dis, d'ailleurs c'est pas un dessin animé qui, à mon sens, sensibilise à l'homosexualité, à l'homophobie, mais plutôt à l'homosexualité. Il y a un peu une erreur de discours. Et encore beaucoup plus loin, il y a un mec, le débat s'enflamme, et le type dit, oui, mais il faut diffuser tout aux enfants, etc. Et je dis, bah, diffusons tout aux enfants, pourquoi pas diffuser du porno. Boum, enfin tu vois, mais tout ça dans un laps de temps très long et sur une conversation qui n'en finit pas. Et le lendemain, Morandini met comme buzz de la semaine, Philippe Lelouch tient des propos homophobes, ce qui est le pire qu'on puisse me faire. C'est dégueulasse. Et ça traîne encore sur Wikipédia. Ouais. Donc un jour, dans ton émission... Je t'ai dit, quel est ton pire ennemi dans le métier ? Ouais. C'était un tour de table. Ah ben et toi, bille en tête. Ah, bille en tête, ouais. Bon, t'as déchiré. Mais c'est vrai. Et puis alors le mec, donc je l'ai traité de conne sur ton antenne, il m'a attaqué au tribunal. Et donc voilà, et je pense que c'est beaucoup moins grave de juger, hein. C'est beaucoup moins grave de traiter quelqu'un de conne. Ah non, mais rien, mais c'est exaspérant. Et Christian, il parle pas en fait. Non, si beaucoup. Je suis un taiseux. C'est pas vrai. C'est une chose que d'ailleurs m'a appris Philippe depuis qu'on travaille ensemble, c'est à exprimer ses sentiments. Chose que je ne savais pas faire. Je trouve que quand on connaît un peu ta vie, on comprend quoi. Non, mais c'est assez extraordinaire. Un jour, on s'est amusé comme ça au théâtre à s'amener des photos de nous enfants. Nous, on avait des polades. Et là, tu avais des photos de Christian enfant. Tu avais l'impression que c'était des photos de film. C'était des photos de match. C'était parce que ses parents étaient sublimes, parce qu'ils étaient très beaux. C'était fondable. Et tout d'un coup, c'était... Voilà, et tu te dis... Et à ce moment-là, David a eu cette réflexion géniale. Tant, on n'a pas eu la même enfance. Hein. Nadia, Claudia, bonsoir. Pamela. Oui, okay. C'est... C'est Baptiste Kaplan et... Et Rostin. Rentrez dans la cour tout au fond du couloir. Oh, t'as un accent, toi. T'inquiète pas. Lui, il a dû traquer ta mère, Rostin. Lui. Un peu paradis. Ça va bien. Non. Bonsoir, non. Pardon. Bonsoir. Ciao. Ciao, bonne affaire. Ah, ouais, c'est super. Le plus délicat, c'est de voir que tu n'as pas la même enfance, donc le recul, que beaucoup de personnes. Et tu te dis, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de simplicité. Et ça aussi. Voilà. Entre les gens aujourd'hui qui t'agressent à l'école et ceux qui te lèchent le cul parce que... Et ceux qui te jugent sans te connaître. Pour moi, c'était plus dur. C'était ta ça. Ta mère, quand tu te baladais avec elle, vous ne marchiez pas, vous couriez. Ah oui, moi j'étais 20 ans. Comment ça, ça les bains douches et... Voilà, Pascal. Bains douches. On regarde les gens pour prendre des finalement, on regarde. Plutôt se prévu. Christian. Oui. Prends ton verre, on va passer au salon. Ouais, enfin, tu courais avec ta mère.
Ah, mais je me souviens, j'ai des souvenirs de ma petite sœur dans le landau avec notre manounou, Bruna. On courait parce qu'il y avait les paparazzis derrière, quoi. Non, les enculés, mais... Rostin, les enculés de paparazzi. vous lui avez cramé l'enfance, il a passé son temps à courir. Ouais, il a pleuré, il a eu une enfance malheureuse. Venez, je vais vous montrer le livre de Rostin. Mais je le connaissais pas, il m'a dit je suis un enculé de paparazzi, il m'a dit ça. Bah, il le sait, lui. Il rêve qu'un jour je le planque, mais il a une vie tellement triste et lamentable. Tu l'as planqué, Deneuve ? Alors, Deneuve, je vais te dire la vérité. Catherine ne s'est jamais servie de ses enfants pour promouvoir un film. La seule fois où je l'ai photographié, c'est avec Christian. Elle avait accepté, c'était un rendez-vous. Et c'était pour aider Christian pour sa première pièce de théâtre. Voilà. Et est-ce qu'il y a des enfants qui vont venir? Parce que je vais me faire chier, moi. Mais toi, t'es à la table enfant. Ah oui, je suis à la table enfant. Tu aimes les nuggets? Tout ça, c'est pas... Si j'ai un jambon nouille, ça serait cool. Et dis-moi, qu'est-ce qu'elle fout, Nakache? Géraldine, elle est... une star, elle est... Non, elle a une journée chargée, parce qu'on part sur les routes de France pour le film, là. J'ai vu le film. T'as vu New York, c'est vrai? Ouais, je trouvais ça très bien, et bizarrement, je t'ai trouvé très bon. Ah ouais? C'est mon premier film, là. Tu m'as pas dit que tu l'avais vu? Ouais, je l'ai vu. Ah, t'aurais pu me tweeter? Elle n'a pas pris le melon, Géraldine. Hein. Absolument pas. C'est les gens les plus cools que j'ai rencontrés depuis que je fais ce métier. Mais question de couple, vous êtes rencontrés comment, en fait? Non, mais je sais pas, en fait. Nous, c'est vrai? C'est une vraie question? Ah oui, non, mais c'est vrai, mais je sais pas. Je voulais vous demander, parce qu'on était à Montréal ensemble, et je voulais vous poser la question. On s'est rencontrés... J'ai fait un pari. J'ai dit à Philippe, t'es pas capable d'aller tirer la gonzesse, là. On était sur le tournage en même temps. Pourquoi? Et il a dit pourquoi oui. C'est vrai, t'étais là. Christian, t'étais là. Pourquoi salir? Mais j'ai rencontré David, Christian et Philippe. David Brincourt. Brincourt. Le même jour, à 3 heures d'intervalle. Mais c'est comme la pièce, tout le monde voulait te pécho. Ouais. Et il y en a qu'un qui t'a eu, quoi. Voilà. C'est ouais. Exactement, t'as reproduit au point. C'est vrai que je l'ai eu. En réalité, c'est pire que elle. D'abord, c'est elle qui m'a eu. C'est moi qui l'ai eu. Et en plus, voilà, j'ai tout de suite vu, mais vraiment sincèrement, que c'était la femme de ma vie. Wow. Ce que je vais dire, je l'ai jamais dit. Quand je suis arrivé, j'ai dit à Christian, on tournait, donc c'était un truc pour TF1 qui n'a jamais été diffusé d'ailleurs. J'ai dit à Christian, elle est arrivée de Mouy. Et il m'a dit, ouais, elle est dans la loge. Et je lui ai dit, alors, elle est bonne? Mais vraiment, c'est sincèrement. Et il m'a dit... Toujours très classe, dans la finesse. C'est vrai que t'es bonasse. C'est une phrase de garçon, Vanessa. C'était pas dit pour être vulgaire, c'est une phrase de garçon. Et il m'a dit, va voir. Elle est au maquillage. Et je suis rentré. Et quand je suis rentré, elle était toute seule. Je m'attendais à ce qu'elle soit... elle est tente, je peux te dire très précisément. C'était quand même gênant. Non, j'étais en train de mettre des chaussures quand il est arrivé. J'étais en train de finir d'être chez mes chaussures. Ouais, exactement. Et elle a levé la tête vers moi, on s'est présenté, je suis tombé amoureux. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, c'est Géraldine Nakache. Oui, c'est au fond de la cour, tout au fond. Merci beaucoup. Oui. Oh, la star! Pardonnez-moi, je suis un peu en retard, vous m'excusez tous. Oh, mais... C'est pas grave. J'ai fait ce qu'on appelle de la promotion d'un film. Ça va, Poulet? Oui, alors du coup, j'ai vu ton film, j'ai vu. Ça va? Ça va? Ouais, je suis hyper content de te voir. Il suffit que Laurent Baffy fasse un dîner pour qu'on puisse se réunir. Voilà, exactement. Enfin! Merci. Et dis-moi, ça sort quand ton film? Le 7 novembre. Et ah, t'as peur? C'est le jour de l'anniversaire de mon père. Ah! Oh, génial. 7, c'est bon. Mi-kiff, mi-peur. De toute façon, ouais. 1 400 000 entrées, le premier film. Combien? 1 400 000. Mais c'est une bombe, elle. Mais non. Mais c'est une bombe partout. Non, mais toi, t'as rien à dire, c'est mon avis. C'est une bombe partout. C'est pas une question, partout. Tu vois. C'est une bombe en tant que réalisatrice, c'est une bombe en tant qu'actrice, c'est une bombe dans la vie. Oh là, la pression que vous me mettez, là. Ça mais non, c'est pas une pression. Et pourquoi prendre Baptiste Le Caplin? C'est bizarre comme choix. Parce que je voulais que des bons comédiens et un mauvais. D'où le choix de Baptiste. Non, mais le courage du gars, parce qu'on fait un film, donc toujours la même chose, un peu en équipe, quoi. Ouais. En équipe, ça s'appelle New York, c'est pas pour rien, c'est nous, quoi. C'est nous. Et puis, à l'intérieur de ces nous, il y avait des mois. Et donc, on prend évidemment Leïla, Bekti, Manu Payet, Nader Boussandel, que des gens qui sont de la famille, quoi, qui sont là, dans le premier film. Et on dit pour le rôle de Sylvain, qui interprète Baptiste... Parce qu'il n'a pas de présence à l'écran. Zéro charisme. Merci, on passe synchro. Non, mais on avait l'audace, Hervé et moi, de dire on veut une révélation. C'est voilà, mademoiselle, pour vous, excusez-moi. Ah, elle avait demandé des Pringles, bon, c'est pas grave. Ah, c'est gentil, merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Miette de macro, ouais. Et comme popo...
Je vais démolir. Coco de Paimpol avec une poêlée de tomates. Bravo. Tomates et coco de Paimpol. Comment elle mange? Il n'y a pas de petite cuillère. Non, c'est incroyable, si, c'est tout à là. Stella, ton chèque est à la compta. Oh, patron. Il y a un vol pour Rio dans 20 minutes, Stella. C'est vrai? Tu m'amènes? C'est fou comme ce métier déclenche des amitiés, des trucs, mais des trucs forts, quoi. Je pense que les gens, des fois, quand ils nous entendent parler, mais moi, j'avais ce sentiment-là quand je voyais les autres. Avant, ouais, un peu les ouais, pipo. Ouais, tu vois. Et je te jure que ça... Attends, Philippe, excuse-moi, mais je me fais chier quand tu parles. Donc je vais voir en cuisine ce qui se passe. Putain, mais je décroche. Je le dis honnêtement, je décroche. Ouais, non, mais t'as raison. T'es d'accord? C'est vrai que, tu sais, là, en ce moment... Ça se passe bien. Eh, gros kiff, hein, l'emploi. Non, grosse réussite, hein. Oui, ça fait un peu Maria Carré. Ouais, ouais, ça. On va passer relou, à table parce qu'on attend un invité. Et... Mais quand tu reviens, c'était, c'était vrai. Putain comment tu m'as fait rep? Mais tu m'as vraiment fait rep. Tu connais Laurent Mariotte? Oh là là, bah ouais, je le connais. Ah, enfin, bonsoir. Je connais son travail. Bonsoir. Enchanté, mes respects. On s'embrasse. Ouais. Bah merci de nous faire à manger trouve, comme ça. Super bonne. Non mais. Et tu me l'as dit ou pas? Allez, arrête. Et donc, faut qu'est-ce que tu fais? Non, faut pas l'écouter. Non, j'aurais dit la cuisson, toi, c'est quoi? C'est comment, toi? C'est-à-dire là. La cuisson. Ah non, mais moi, je mange pas ça. Non, mais c'est en tagine, hein. Arrête. Non, mais en tagine, en salade de miso, en entrée. Hein. Non, mais c'est cachère, on l'a cachérisé. Oui, oui, non, mais salade de miso. Oh là là, c'est dégueulasse. Il est beau, hein. Et je suis allé à Rungis le chercher exprès. C'est vrai? Comment tu l'aimes, toi, rosé? Bah, je l'aime comme ça, même. On peut faire un cuit cru, hein. Oui, avec le tenia, le carpaccio. On fait un babi ou pas? Ah oui, ah yes. Laurent, je peux mettre Gang de requins en DVD, s'il te plaît? On va te mettre ton film, tu vas manger tes nuggets, après on te met ton film. Je suis crevé, mais tu te mets en pyjama ouais, mais, avant. Non, mais il a eu gym l'après-midi. Ça, demain, j'ai bio. Et on va faire deux équipes. Géraldine, tu fais ton équipe, et toi, tu fais ton équipe, Vanessa. On donne du rythme, allez vite, la balle. On est tous ensemble. Allez, elle est rouge, on est tous avec vous. Bien. On voit les mecs qui ont été à l'école. Tu sais que c'est l'appréciation que j'ai eue en maths en terminale, ça. Monsieur Lelouch, sèche parfois le baby-foot pour venir en mathématiques. C'est vrai? Je te jure que c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est Minou. Allez, vas-y, Vanessa, vas-y. Non, bien joué, Baptiste. Pardon, arrête. Ouais, c'est dedans. Sa mère avait quand même plus de classe. Hein. Et voilà, alors regarde l'homophobe. Hey Philippe, allez. Regarde l'homophobe. Non, arrêtez, mademoiselle, s'il vous plaît. Mais Philippe, tu marquais quand tu mettais des coups de baby. Joue plus avec ta teub. Oh putain, normalement ça va. Y'a pas de but, y'a pas de but. Oh ouais. Merde. Non, c'est un hasard. Non. Elle a fait ça avec une dextérité. Non, non, mais on dit, on compte pas les demi, allez. Mais tac. Il se fait des passes. C'est bon fort. Vas-y. Même en rondiné, on aurait pas fait ça. À table. Ouais, on arrive. Oh, balle de match. Reste au fourneau, ok. Eh, va baiser ta voisine, quoi, t'as le temps. Dans deux minutes, on passe à table. En tout cas, moi, quand je pense à la vieille anglaise, j'ai envie les épaves englouties. Je chante que du Sardou, si tu veux le lancer sur un Sardou. Je veux gagner, vous comprenez pas? Le ouais de tonton. C'est quoi, mon vieux? Non, merde. On a gagné. On a gagné. Allez, on s'installe. Il manque Reichmann. Faut pas m'asseoir, j'ai pas mon réhausseur. Le chauve, Le grand con, la le star, grand con, le charognard, c'est pas le moi, comique, l'homophobe, ça c'est mon mec. La bonasse, ça peut la pas bonasse. Être toi. La bonasse, c'est toi. Mais non, c'est toi, comique, la bonasse. C'est moi. C'est qui la bonasse? C'est elle, c'est Vanessa, bah, bien entendu. Moi je suis quoi? Je suis à côté du cuistot. La tâche? La star? La star. Ouais, t'en es la poulette. Le carton. Ah oui, j'ai... Eh oui, t'en es la poulette. L'homme... Quel enculé. L'homophobe. Ah, j'ai compris la tâche. Putain, t'es un salaud. Non, tu l'as mis à Kiarichman, la tâche. Ah, la tâche, mais je te crois pas. Laurent, c'est quoi ton entrée? C'est un petit ceviche, mais avec un cabillaud morue, fraîche, salée, dessalée, instantanément. Jean-Luc Reichmann, ouais, quand tu l'invites à dîner, il vient pas à l'heure, c'est ça l'idée ou pas? Je sais pas, moi, regarde, Géraldine, elle arrivait une heure après. Ouais. L'autre, il avait pas son menu enfant. Le temps qu'il recompte son pognon, il est pas là avant une heure. Parce qu'il prend, lui. Hein. Attends, ça fait combien de temps qu'il est à télé? C'est pas, le record attends. De longévité, non? 20 ans. Ah bon, mais non, Pardon. Non, mais il a fait les amours vachement longtemps. Non, c'est longtemps, pas le record de longévité, mais c'est en fait, c'est un produit. Lui, il anime. Ouais. Et... Ouais. Ouais, c'est 7 jours attends, sur 7. Le mec, il a rien pour lui. An, donc, il a une tache sur le nez, un nom de nazi et il cartonne. Je veux dire, c'est quand même... Il n'y a pas de justice.
Tiens, comme par hasard, calomnier, calomnier. Oui. T'es là? Ouais, c'est Jean-Luc, Lolo est là? Au fond de la cour, tout droit au fond. Au fond de la cour? Pas un mot sur la tâche. Promis. Pas une réflexion. Non, non, parce que je vous connais, vous. Ah, les vannes pourries, là. Pas le physique, putain. Pas le physique, pas les vêtements. Pas les affaires. Pas la famille, en général. Pour les affaires. Et pas les voisines, Laurent. Roche, allez. Jean-Luc. Oui. Enchanté, Stella. Déjà? Bienvenue. Je suis désolé. Déjà? Eh oui. Comment ça va? Ben, qu'est-ce que t'as branlé quoi? Ben, les tournages, je suis passé à la prod un peu partout. Bonsoir! Bonsoir! Tes amis. Mets-toi à l'aise. Ah, ah oui, c'est 15,50 kg. C'est lourd! Attends deux secondes! Attends, les gens, on est polis quand même. Ça va, Jean-Luc? Les amoureux vont bien? Ben oui, et toi? Je vais très très bien, voire même très très bien. Bonsoir! Après, on se rencontre. C'est vrai, absolument. Oh! Mais. Il y a du mais, moment. Mais. Bonsoir. Bonsoir. Baptiste, enchanté. Je suis fils de la voisine. Ah, c'est ça. Bonjour, c'est vrai. N'ayez pas la voisine devant Laurent. Et toi? Pourquoi Jean-Luc n'a rien à boire? Un coup de champagne, je l'ai le servi. J'étais en train de rouge. S'il vous plaît. Vous voulez du rouge? Oui. Et change-nous les filles. Quoi? Je mets quoi à la place? C'est comme si t'avais pas entendu. Des billes fraîches. D'accord. Quelle ordure. Il parle pour toi surtout. Je suis très très jeune. D'accord. Donc là, tu as tourné 11 émissions. Ouais, c'est un petit peu ça. En fait, voilà, j'arrive un peu de Marseille. Attends, on va te faire un raccord maquillage parce que je vois que ça. Ah, tu vois ma taille. Non, non, mais ça va très très bien, moi. Tu sais, tu sais exactement que. Ah non, non, mais la première fois que j'ai rencontré Lolo, c'était quand même un grand moment. Il me fait. C'est pas gênant. Je t'assure, c'était à Roland-Garros en disant, mais t'as. C'est vrai, la vraie première. Il a failli nous foutre des hontes au restaurant. Tu dis, mais c'est pas possible, il va s'en prendre une. Non, non. Mais non, jamais. Moi, les gens ricanent. Des hontes, hein. Ils ricanent bêtement. Quoi, jamais. Attends, les quatre putes dans plein 16e. Quoi? Des filles surbouches. Des femmes, non, non, mais pas 55 ans, des dames, des madames, des mamans, quoi. Des grands-mères. On arrive même dans le restaurant. Et donc elle le regarde, elle fait ah, elle fait ah mes copines les putes, on se voit après. Hein. Et les gens ils ne disent jamais rien. Non. Mais j'ai vu avec les flics, tu m'avais dit aussi. Ah, non mais moi il l'a fait avec moi. Il dit faut pas rester, on est tous les deux en voiture, on n'a pas de ceinture et il me dit faudrait pas qu'ils nous attrapent là. Je dis non Laurent arrête, il s'arrête devant les filles, il faut pas rester là messieurs, les gens se plaignent, hein. Les gens se plaignent, il faut pas rester. Alors le mec dans le noir qui voit pas tout à fait. Hein, il dit, pardon, monsieur, il dit, oui, surtout toi, t'as une tête d'enculé. Hein. Là, non, non, il faut pas. Et toi, tu te dis, on va voilà, finir. Vous avez reconnu, c'est zonzon pour 24 heures. Mais la plus grande humiliation que j'ai eue à la sortie du théâtre, quand on sort du Palais Royal, il y a la pizzeria. Donc les gens à la pizzeria qui vont dîner, ils ont vu ta pièce. Normalement. Ils ont vu ta pièce. Donc toi, tu ouvres des coups au petit bistrot à côté, et les gens, ils sortent, ils te font des compliments. Et un jour, je suis au bistrot, toi, et des gens sortent, et moi, je me la pète, je vois des gens qui sortent, et je fais. Ça vous a plu? Ils m'ont dit oui, formidable. Je fais merci, mais ils m'ont dit non, la salade de fruits de mer en entrée. Il y a un truc incroyable dont je ne m'étais pas rendu compte avant, j'ai vu ça sur Internet. Tous les deux, vous avez un point commun qui est flagrant. Qui est qui? Géraldine. Ça va être un truc. Soit c'est dégueulasse, soit c'est dégueulasse. Soit c'est tout ripou. Bon, peut-être on s'en branle du quel point commun. Quel est-il, Laurent? Non. Mais moi, je veux savoir. C'est un truc qui saute pas aux yeux et tu te fais « Oh putain, j'ai halluciné, quoi ». T'es plutôt? Non, bah, je t'en prie. Non, mais je suis plutôt comme ça, je t'en prie. Non, mais non, je suis de Toulouse. Toulouse. Ils ont un ex en commun? Ça me fait rire, ça, Magne. Non, mais je suis un peu drôle, c'est marqué là, en fait. C'est ça. Et moi, je suis un peu tâche, c'est marqué là. Pardon, vous avez travaillé sur comédie? Non. Putain, je relance ce dîner, je suis quatre conversations. Vous avez fait des cours, plus, Canal Plus? Deux conversations à la fois. Vous avez suivi des cours de théâtre? C'est ça, Canal Plus pendant 10 ans. C'est même un peu plus. Ripou, quoi. On a fait ensemble, sans le savoir. Canal Plus, imitation. Imitation, non? Ah, radio. Si. Ah, si, un peu. Ah oui, il y a aussi l'imitation. L'imitation, c'est pas le truc. Un petit peu, quand même. Ouais. Fais-moi juste pour moi Céline Dion. Alors, attends. J'adore. Je kiffe, je kiffe. Ça fait longtemps. J'adore. Faut que je me lève. J'adore. Ouais, j'ai. Ah bah si je fais, jusqu'au bout. Ça, je suis ça, t'as marre. Mais j'adore. J'ai déjà eu des questions. Ne vous oublie pas. Non, jamais. Vous êtes au creux de moi. Dans ma vie. Tout ce que j'avais.
j'adore. Après la victoire. Notre histoire à nous. C'est extraordinaire. Il ne faut s'oublier. Bravo. Formidable. Evelyne Thomas, tu fais Evelyne Thomas. Mais non, parce qu'en fait, je la faisais dans une émission. Comment elle s'appelait cette émission? Tourner Malaise. C'est ma vie. C'est mon choix. C'est mon choix. C'est mon choix. C'est mon choix. Et en fait, tous ces lancements, ces annonces et ces annonces, elle criait très très fort. C'était le seul truc que j'avais chopé. Elle disait par exemple, et on se retrouve tout de suite pour ces hommes qui n'ont pas fait leur journée. Mais fort, elle hurlait. Et donc, comme j'étais pas une imitatrice et que sur comédie, on me disait, faut faire Evelyne Thomas, je regardais, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? Ah, elle hurle, bah, je vais hurler alors. J'étais rincée quand je sortais de ces trucs-là. Parce qu'en fait, il me faisait que hurler, que ça drôle. Imaginons un duo, Johnny et Céline Dion. Derrière l'amour, il y a toute une chaîne de pourquoi. Question que l'on se pose, il y a des tas de choses. Je fais que les tôtés parce que je connais. Et lorsque tu me fais l'amour, est-ce que tu fais vraiment l'amour? Ah, si, 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 c'est quoi cette chanson? Derrière ce grand rideau noir, tu m'interdis d'aller voir. Donne-moi. Donne-moi ton corps pour y vivre et pour y mourir. Ah, c'est hyper bien. Je le taxi, il va pas partout. Il marche pas au soda. Son sexo jaune connaît toutes les rues par cœur. C'est bon. Tous les petits bars. Tous les j'aime pas, moi perso, j'aime pas. Bravo. Le soleil veut pas de moi, tu rêves depuis longtemps. Oui. Sur la télé, la neige envahit l'écran. Ouais. Hey. Encore. Encore. J'entends des hommes qui courent, une terre qui recule. Oui. Des appels au secours, des enfants qu'on bouscule. Alors regarde. Ah ouais. Regarde alors, il tient bien. Ouais, tu vois. Et hey, t'étais amoureuse de lui, toi. Cœur, j'étais déglinguée de. Je trouve ce mec incroyablement talentueux. Non mais je le trouvais. Ça super comme il était tout quoi. On regarde un peu. J'adorais. Moi aussi, j'adorais. J'avais l'impression qu'il chantait pour moi. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois ce que je veux dire? Comme PPDA. On a tous ces trucs-là. C'est ça qui est fort. Non, mais ça qui est fort. Que c'était... C'était pour moi, quoi. Et vous vous souvenez de ce truc, le pub Renault et tout, cet événement dingue, là? Mais bien sûr. On ne sait pas si ça avait été programmé. La pizza Pino. Ouais, il y avait un espèce... En fait... Téléphone arabe. La pizza non, Pino, parce qu'il y a un rendez-vous. Non, parce qu'en fait... J'étais pas au bon endroit, moi. J'étais au pub Renault. Mais non, mais justement, parce que... C'est con, t'as raté le truc. Parce qu'au pub Renault, tous les ans, il y avait une réunion le premier samedi de septembre de tous les mouvements, de toutes les colonies feuges de France, en fait. Les colonies. Mariotte. Ouais. Les colonies. Autant béni des colonies, dis-nous ce que tu parles. Après, ce sera les ricains. Si les ricains n'étaient pas là, elle court, tous en la maladie d'amour chante dans très fort. Dans les balles populaires, l'ouvrier parisien, la casquette en arrière, tourne bien. Mais là-bas, près du comptoir en bois, nous on ne danse pas. On est là pour boire un coup, on est là pour faire les fous, pour rigoler entre nous et pas payer nos verres. Christian, tu imites qui, toi? Rien. Arrête. Non, alors attends. Non. Si, il y a un truc, qui est extraordinaire. Très mal imité, très mal chanté. Si tu permets de faire ton agent. Christian a une particularité incroyable, c'est qu'il peut faire tous les accents du monde. C'est non mais attends, mais il fait tout le temps le même. C'est-à-dire que tu lui demandes l'accent belge ou l'accent africain ou l'accent québécois, il fera toujours vas-y. Accent alors, qui est un accent le belge. Et alors qu'il devient de nulle part. Alors, je mangeais bien des frites une fois. Des frites c'est de la merde. Non mais fais-le vraiment. Non mais mets-y un peu de cœur dans l'accent. J'aimerais bien des frites. J'ai l'oreille, donc il faut qu'on me le donne avant. Mais t'as l'oreille absolue. Fais le suisse. Alors, je mange bien. Ah ouais, c'est la même chose. Crème pas. Suisse. Non, c'est trop blanc. J'ai que l'oreille. Et je suis à Ouagadougou. Non, non, le Canadien. Non, mais attends. Le Canadien. Ah, je mange bien un pancake. Il a dit une fois. C'est là qu'il prend les mots du pays. L'accent africain, l'accent africain. Ah, je mange bien un boudin entier. Et pour la spécialité du pays à chaque fois. Est-ce qu'on peut faire un spectacle avec ça? Toutes les qualités, d'accord. Il mal, il pourrait faire la première partie de Gérald Dahan. Et paf, impertinence. J'ai envie de le déglinguer. Regardez, regardez bien. Ça fait deux fois que je bois et deux fois machin. Et comme, regardez bien, regardez bien. Et donc je te dis, ouais, je suis là. Théma. Oh non. Pourquoi il a fait ça? Mis... Pourquoi il a fait... Il m'a mis le verre. Ah mais je vois, il a le truc. J'ai envie de te casser sur la tempe. Et tout à l'heure, j'ai un cousin péteur qui arrive.
Ah oh là là. Est-ce qu'on peut vous raconter la plus... On a le droit de raconter des histoires drôles ou ça fait... Ah oh non, banquet. C'est chiant. Non, mais... C'est la pause, c'est vas-y. C'est le repas de la scène avec Jésus. Ah, si je l'adore. Ouais. D'accord. Et Jésus dit, comme je vous le dis, l'un de vous va me trahir. Est-ce toi, Pierre ? Oui. C'est Jésus. Jamais je ferai un truc pareil. Je suis ton plus fidèle apôtre, la première pierre de ton église. Non, je ferai pas ça. Il dit, je te crois, Pierre. Et pourtant, l'un de vous va me trahir. Est-ce toi, Jacques ? Jacques, Jésus, jamais je ferai ça. Jamais. Pourquoi je ferai un truc ? Je suis comme Pierre, je suis avec toi, vraiment, jamais. Je te crois, Jacques. Et pourtant, l'un de vous va me trahir. Est-ce toi, Thomas ? Non. Jésus, c'est vrai, je crois que ce que je vois, j'ai mis du temps, mais maintenant je marche dans ta lumière. Jamais je ferai ça. Jamais, Jésus, je te le promets. Je te crois, Thomas. Et pourtant, l'un de vous va me trahir. Est-ce toi, Judas ? Et toi, Judas ? Elle est très bien. Alors, Laurent, présente-nous ton plat. Eh bien, écoute, Laurent, un petit c'est toi, Judas. Fait dans l'épaule, avec des épices, du 4 épices, du clou de girofle, de la cannelle, du cumin et des petits marrons. C'est la saison des courges. On va compter jusqu'à 3, ensemble. 1, 2, 3. Il faut refaire la présentation, Sarah. Ah oui. Baptiste, alors sans balancer la vie privée, Baptiste était puceau à 22 ans quand même. 23. 23. T'as 23 ans, c'est vrai? Non, j'ai couché à 23 la première fois. Ouais. C'est pas un peu tôt? Non, j'ai découvert très tard la Thaïlande en fait. Non, non, mais oui, j'ai attendu, oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Mais quel âge t'as, Baptiste? J'ai 27 ans. La première fois que j'ai fait l'amour, c'était à 23 ans. C'est vrai, ou c'est vrai? Oui, non, c'est vrai, c'est pas des conneries, tu me connais, je mentirais pas là-dessus. Mais oui, parce que bah, j'ai été très amoureux de filles qui voulaient pas de moi et je voulais pas coucher avec une fille comme ça en fait. Mais j'ai pas regretté parce que franchement, j'ai Mais qu'est-ce que t'as fait jusqu'à 23 ans? Regretté, tu rigoles ou quoi? T'as perdu 10 ans, connard. Et t'aurais pu cracher la purée depuis. Oh non, mais merde! Merde, c'est pas possible! C'est bon, Laurent, c'est bon. C'est très bien, la poule, ouais, c'est vrai. Non, mais ça manque un peu de jus à mon goût, mais voilà. Ouais. C'est bien. Tu cuisines bien. Merci. Non, c'est vachement bon. Et Lolo, c'est vachement bon, Laurent. Ouais. Et Pascal, si tu devais planquer une personne à cette table, quelle est la plus bankable pour toi, la photo la plus vendable? C'est pas une personne en particulier, c'est une histoire. C'est la situation. Ben oui, c'est la situation. À Mariotte et sa voisine, combien ça vaut? Aujourd'hui, on n'en a plus rien à branler, aujourd'hui, il faut une histoire. Si t'as pas une histoire, le public, ils sont quand même un peu moins naïfs qu'à l'époque, il faut une histoire. Donc tu prends n'importe quelle célébrité, s'il se passe quelque chose, une histoire d'amour, quelque chose, c'est bankable. C'est-à-dire Mais le plus bankable, c'est quand même Christian, là. Évidemment. Mais est-ce que t'as une histoire? Voilà, c'est ça. Tout ce que tu veux, mon petit chouchou. Tout ce que tu veux. Non, mais tu vois, par exemple, un couple Vanessa Lelouch... Vanessa Lelouch, ça intéresse personne. Ah, voilà, en revanche, Lelouch qui se tape une petite meuf au bois, là, ça intéresse. Ou Vanessa qui se tape un mec sur un tournage. Voilà, vous vendez de la merde, faut le savoir quand même. Obey. Oui, tu ne me regardes pas comme ça, Philippe. C'est de la merde. Voilà, ce qu'ils aiment, c'est la misère. La misère et la misère. Et au quotidien, c'est pas dur à gérer, ça? Non, Madame Je suis gentille, hein. Non. Ne m'appelle pas comme ça. Madame la folle, elle est normale. D'abord, on a commencé. Moi, j'ai travaillé à Paris Match. Et Paris Match, ce qui fait vendre les journaux, c'est quand même des histoires people. Ouais. Ouais. Moi, j'ai commencé en faisant des reportages au Tchad, au Liban. Ça n'intéresse absolument personne. Genre, tu fais des petits tchétchènes coupés en rondelles ou des petits Rwandais en train de mourir de faim, c'est pas vendeur. Donc, c'est vrai que nous, on a eu la chance de commencer à une époque où le mot célébrité, c'est pour ça que le bouquin, il s'appelle Famous. C'était juste, si tu veux, Jacqueline Kennedy, Brigitte Bardot, Richard Burton, Miss Taylor. Enfin, tu vois, c'était un peu du haut de gamme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot est vachement agressif. Mais nous, à l'époque, paparazzi, d'abord, on a été baptisé par Federico Fellini à l'époque de la Dolce Vita. Donc, c'était plutôt, je sais pas, c'est plutôt honorable. C'est vrai que le mot, aujourd'hui, est galvaudé. Et c'est une injure, c'est une insulte. Aujourd'hui, tu vois, des caméramans sur un fait divers... ou devant à la sortie du Conseil des ministres, on les traite de paparazzi. Non, mais attends, excuse-moi Pascal, c'est quand même les mecs de ta génération qui ont photographié le fils d'Ormi Schneider à la mort. Non, justement, non, voilà, non, une fois de plus. Tu dis une énorme connerie monstrueuse. Ah bon ? Une énorme connerie. Je veux dire, j'étais à Match à l'époque. T'as raison, c'est inaudible cette histoire. L'interview. Ok. Tu l'as vu la photo ? Laurent, j'ai pas eu de vie. Non, mais moi je. Non, non. Tu l'as vu ? Elle a été publiée ? Jamais. Elle a jamais. C'est pas le problème qu'elle soit publiée ou pas. Non, elle a été faite par qui ? Tu sais qui l'a faite ? Oui, un infirmier. Voilà, il a raison, un infirmier.
C'est un infirmier qui l'a faite, qui l'a proposé à Match. Est-ce que tu crois qu'on l'a acheté, qu'on l'a publié? Jamais. Ouais, j'ai du mal à trouver beaucoup de vertus. C'est pas une attaque personnelle, ah, Pascal. Ah non, mais c'est pas une vertu. Comment tu décides à un moment de te dire, je vais aller faire chier des gens? C'est-à-dire pour gagner de l'argent. Parce que c'est, ça se résume mais à tu, ça, hein, que non, tu Non, mais tu décides pas, je vais aller faire chier des gens. Tu le fais. Non, mais à l'époque, on les faisait pas chier. À l'époque, on faisait partie. Quel jeu, paraît-il. Non, on faisait partie de l'environnement des célébrités. Il n'y avait absolument aucune agressivité. Demande à Bardot. On était sur les trottoirs, on était à 3 mètres, les gens jouaient le jeu avec nous. Orson Welles, je vais te raconter une histoire qui n'a jamais été publiée, parce que Orson Welles vient à Paris. Il bouffe le cul de Laurie. Et là. Et Orson Welles, si tu veux, quand t'es photographe, on est en 82, quand t'es photographe, c'est quand même un monstre sacré, t'as envie de le photographier. Et on le suivait, on était en Harley. On était à Harley, il était avec sa Bentley, Laurent. Mais on se cachait pas. C'est-à-dire qu'il posait à la sortie des restos, et on lui a dit, Monsieur Welles, on aimerait vous rencontrer. Il nous a donné un rendez-vous, il nous a reçus, et je vais te raconter une histoire que personne ne connaît, qui est quand même un peu émouvante. C'est que le lendemain, on vient voir Orson Welles à l'hôtel Lancaster, et il nous dit, j'aimerais vraiment rencontrer un comédien français. Un comédien français, qui était extraordinaire. Il dit, quand tu regardes ces films, que tu coupes le son, je dis, c'est un peu con, il dit, non, c'est Funès. Non, c'est Devers. Tu coupes ses sons, ouais, exactement. Il dit, tu comprends tout à travers les expressions de son visage. Et c'était Patrick Devers, que je connaissais bien. Je faisais de la boxe avec lui. J'appelle Patrick. Et Patrick, il me dit, non. Je dis, attends, t'as Monsieur Welles qui veut te rencontrer. Tu fermes ta gueule, tu viens. L'autre, il voulait pas. Je les présente. Mais comme je les présente, c'était au Phuket. Je peux rester là, tu vois. Tu présentes Orson, Patrick, Patrick, Orson. Et puis, je sais pas, un minimum d'élégance. Tu connais ce mot-là, toi? Ouais. De pudeur. Oui. Je les laisse ensemble. Et au bout de 2 heures, putain, j'en pouvais plus. J'attendais. L'autre, il sort, Patrick. Je dis, alors maintenant, tu vas tout me raconter. Il pleurait, il me dit, espèce de sale fils de pute, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait, je le raconterai jamais à personne. Et il s'est barré. Donc, tu vois, il y a quand même quelques histoires dans notre carrière, quelques rencontres. C'est vrai que ça commence. Attendez, je te dis pas que tous les paparazzis sont des mecs qui, dans leur vie, sont des merdes humaines. Non, aujourd'hui c'est devenu. Tu as raison, aujourd'hui, c'est devenu super agressif. Regarde ce qu'il y a dans les journaux aujourd'hui, moi, j'en connais pas un. Tu regardes ce genre de canards, tu regardes les canards. Je suis désolé, c'est des footballeurs qui ont 2 neurones, c'est des connasses de la télé-réalité qui montent leur cul dans des émissions de télé. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Encore ici, en France, ça va. Si tu regardes ce qu'ils font aux États-Unis. Mais qu'est-ce que tu connais la notoriété, toi, ta gueule. Il y a un jeu que j'adore, c'est le Kesako, c'est ça que tu as inventé? Non, le Tuskib. Le Tuskib, tu connais? Vas-y, raconte. En fait, à tour de rôle, on doit inventer un mot. Tacomac. C'est plus drôle. En deux, en binôme. Je suis nulle à ça. Inventer des mots, et le premier qui dit un mot qui existe a perdu. Mais les deux, lui, le roi de l'impro. Allez-y, commencez tous les deux. Foukrist. Vite. Fachrust. Qui nul? Qui l'erst? Fongest. Fonge muist. Fruchal. Flöcht. Kistetek. Kemerdov. Fossenech. Daschlendo. Oh, la fène. La félichlender. Frotinene. Frotzlusmist. Kustil. Ça, c'est ça. Chantak. Bachlich. Mangeur. Butuflich. Bonst. Tu as dit mangeur. Tu as dit mangeur. Tu as perdu. Fransten. Bich. Kulich. Kusha. Kisti. Didi. Ou final. Caputa. Ou les steaks. Mustilal. Vrafraché. Astrichter. Trop fouchou. Ou les lacs. L'impaché. Opsal. Non, katouni. Noukil. Kignigné. Silic. Brafachete. Fichtre. Kapachouni. Fichtre, tu as perdu encore. Géraldine, Vanessa. Non, mais je suis nulle à ça, ta gueule. On essaye. Attends, elle a perdu deux fois. Ouais, c'est honteux. Allez, tu commences. Vas-y. Frouchme. Kistil. Durkmuf. Kistilast. Toslefeu. Tostine. L'homme-chemin. Tostine, ça existe. Ah, ouais. Putain, mais j'ai même perdu avec toi alors que t'es ripant. Le truc horrible. Le truc le plus incroyable qui te soit arrivé à New York. Et moi, je crois que un des trucs les plus incroyables, en fait, l'écriture du film, tout le temps, il y avait cette phrase de Sinatra qui revenait, qui est une phrase qui fait partie du film, c'est « Si je peux réussir ici, je peux réussir n'importe où. If I can make it there, if I can make it there. » Non, c'est Céline Dion. « I make it anywhere. » Ouais, mais t'as vu, sans le pain, c'est un peu moins bien. Oui, je suis d'accord, il me faut un truc. Mais voilà. Et du coup, et en fait, le dernier jour de tournage, le dernier jour, séquence de nuit, c'est une séquence où le personnage de Manu Payet, on a tous nos baskets à la main et on doit les lancer vers un câble parce qu'à New York, il y a plein de baskets sur des câbles. Le personnage de Manu les accroche. Donc évidemment, on a prévu une grue de caméra parce qu'il ne peut pas les accrocher. C'est inaccrochable, d'accord? Dernier plan du film, Manu lance sa réplique. Si y en a un qui arrive, il devient président des États-Unis, d'accord? Présente ton Luc, ouais. Voilà.
On doit lancer les baskets. Il pleut à torrent. J'ai des comédiens qui partent le lendemain. C'est le dernier jour de tournage. Il fait nuit. On se dit, le jour va se lever. Comment on va faire? Il pleut à torrent. On est en chaussettes sur la route. On n'en rajoute pas. À un moment donné, l'assistant nous dit, OK, il est avec les trucs, la météo, je sais pas quoi et tout. Il dit, il y a 5 minutes d'éclaircie, on y va. On cavale, chaussettes, pieds mouillés, machin et tout. 1, 2, 3, Obama! On jette les baskets, Manu Payet les accroche. Oh putain. If I can make it there, I'll make it anywhere. Et là, dernier plan du film, une seule prise, la joie que vous voyez c'est à l'écran, dément, ouais. C'est la joie qu'on a eue vraiment de se dire. Yes! Je l'ai senti. Je l'ai senti au visionnage. Sérieux? Je te jure. Moi, j'ai attendu très longtemps avant de découvrir New York. J'ai découvert l'année dernière avec mon mari et mes enfants. Ah, donc voilà, j'ai découvert New York à travers les yeux de mes gosses. C'était en sortant de l'Empire State Building. C'était avec moi. Hein. Avec okay. Vanessa et les enfants. Et comme il est tard le soir, mes mômes sont un peu claqués sur tout cela. Ah oh, oui, je sais, ils en rajoutent beaucoup. Non, c'est trop chaud. Et je dis, bon, allez, viens, on prend une limousine et on fait le tour de New York pour voir. New York by night. Le trip de Fudge, quoi. Mon fils. On ne se refait pas. Et alors, il a voulu kiffer. Attendez la chute. Il y a mon fils, donc Solal, que je mets à côté, qui est hyper heureux de monter dans une limousine, qui voit les trucs. Et le pauvre, il s'endort. Et je lui dis, regarde Solal dehors, etc. Et à un moment, il est là. Et puis, tu sais, il y a le bar sur les. Dans les limousines, tu as des bars comme ça avec les verres et tout. Et je lui dis, Solal, tu t'endors. Il me dit, non, papa, je dors pas, je regarde les verres. C'est trop mignon. S'il voulait, il arrive même pas. C'est bien, bien la chute n'est pas décevante, en fait, c'est l'avantage. Alors Lolo, je vais te filer un conseil. La prochaine fois que tu vas à New York, moi je l'ai fait 10 fois, ça marche à tous les coups. Quand t'arrives, JFK, tu vois, t'as plein de chauffeurs, casquettes, avec Mister Dupont, Mister Martin. Tu dis oui, c'est moi. Ouais, et le nombre de fois où je me suis fait limousine, Manhattan, gratos, et je dis au mec, juste avant, j'ai dit, faut que je dépose une valise, et il te dépose un bloc, tu lui donnes une adresse bidon, un bloc avant ton hôtel, et une fois je me suis fait gauler quand même. Une fois, je me suis fait gauler, le mec, il reçoit un coup de téléphone du vrai monsieur Martin. Le patron... Enculé, c'est pas qu'un boulot, c'est une mentalité. Aussi. Ça se mange en une fois. C'est énorme. Chiche. Fais-moi rien. T'as pas les couilles. Vas-y, on te okay. regarde. OK, viens, on y va à deux. Fais pas ce genre de truc avec lui, t'es un malade. Non, c'est dégueulasse. T'es un malade. Non, mais une fois, vas-y. Ah non, c'est un 2 3. On va chacun va voter. Vas-y. Non, c'est un 2 3. C'est pas le genre, non mais c'est pas le genre à se dégonfler. Non mais sans la cuillère. Ah ouais. 2 3. Arrêtez vos conneries. Oh, j'arrive pas. Lui ? C'est horrible, c'est horrible. Lui, c'est un déménageur, c'est voilà. Mais comment il a fait ? Un sanibroyeur, ouais. C'est pas une bouche qu'il a. Tu connais le marais ? Par contre, mieux. Il y a toujours un moment creux dans le montage. C'est pas grave. Mais non, mais ça veut dire prends que c'est bon. La boîte. Mais ça veut dire que c'est bon. Prends ma boîte. C'est la boîte moment creux. J'ai fait qu'une bouchée, donc. Boîte moment creux, vas-y. J'ai un sujet de conversation. Vas-y. Via Planète Marseille. Ah oui, ça va bien en ce moment. Marseille, c'est un marronnier dans l'actualité. Tous les ans, on se rend compte qu'il y a des crimes, tu vois. Oh là là, ça chauffe à Marseille tous les ans. Bon, Marseille, c'est fait, il y a rien d'autre. Ah, d'accord. Prends la double pénétration. Arrête. À Marseille. L'iPhone 5. On va vraiment parler de l'iPhone 5. Ah ouais. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'iPhone 5 la double P. Bon, si ce n'est que moi, je l'ai. Hein, je veux dire, c'est vrai qu'il l'a fait voir. Il va le jeter en l'air. Tu vas le jeter. Donc là, quand je t'ai demandé son portable, tu m'as dit que tu l'avais pas et là, tu dis que tu l'as. Arrête, il dit le côté étanche. Arrête, j'ai peur. J'aime pas les capables de quoi. C'est très étonnant. C'est la fonction étanchéité. Arrête. Alors quoi, on peut pas valoriser le produit, quoi. J'ai un bon sujet là. Le retour de Mylène Farmer. Ah, ça me fait kiffer. Tout est chaos, bien raide, comme à ça. À côté, tous les idéaux, les mots, à côté, que des mots secs. Je cherche une âme qui voudra m'aider, car je suis d'une génération désenchantée. Moi, j'ai une vraie anecdote avec Mylène Farmer il y a moins de 3 semaines. Vas-y, dîner de repas. Dîner de repas. J'y étais, moi aussi. Vraie anecdote. Hein. Ah. J'arrive dans le truc, il fait un peu nuit noire, il fait moins 1000 degrés quand même. On est là dans ce truc extraordinaire. Hyper froid. Hyper froid, mais il faisait hyper froid. Truc extraordinaire. Cité du cinéma, vraiment. On est ricains tout d'un coup, c'est un peu kiffant. Ouais, c'est ça. On arrive dans le truc, puis du coup, moi, je suis un peu. Il est où mon frère? Je suis dans ces endroits, tu cherches des gens que tu connais, quoi. Il est où mon frère? Il y a Robert De Niro. Il est où mon frère? Déjà, j'arrive, je suis suivi par une équipe.
J'arrive comme ça, je me la raconte un peu, tapis rouge. Alors vraiment, le tapis rouge, t'as vu? Le vrai tapis de, rouge de 1000 km. Et j'arrive, je me la raconte un peu, je commence à chalouper. Et là, pff, les cheveux comme ça, machin, tout. Il y a De Niro qui passe devant moi. Donc, et, naturellement, toute la, tu vois, la tension, machin. Parce qu'il est plus connu que toi. Ah non. Non. Ils ont cru que. Mais non. Oui, n'importe quoi. N'importe quoi, ils ont cru. Maladresse. Bref, on rentre dans le truc, machin, je cherche mon frère comme une ouf. Et où mon frère? Vous avez pas vu mon frère? C'est le mec qui a fait un touchable, mon frère. Je suis pas bien. Je sens que je suis pas bien. Tu vois que je commence à être fragile. Il est pas là, mon frère. Je suis placée où? Il est là? Il y a qui à côté? Ah, ça va, je la connais. Il est où mon frère? Il est où? Il est où? Et à un moment donné, je vois comme ça Mélanie Laurent. Je dis ça, j'ai une tête que je connais. Donc je fonce sur elle et elle est assise, les fesses sur un siège. Et là, il y a quelqu'un qui est comme ça. Et je veux tellement être sympa, qu'on m'aime, qu'on dise ouais, c'est super, elle est sympa, que j'arrive, je dis bonjour aux deux personnes qui sont là et je tape une bise à une rousse qui se retourne et je lui tape une bise, mais une bise de coup de boule, quoi. Ça va, en comptant tri, toi. Et là, c'est qui? Et pendant que je suis en train de faire la bise à Mélanie, j'ai dit, mais je viens de taper une bise à Mylène Farmer. Que personne la touche, n'ose lui serrer la main, la meuf, parce que tout le monde croit que c'est un hologramme, quoi. C'est vrai, personne croit qu'elle existe. Patron, bonjour Kevin. Bonjour Laurent. Enchanté. Je vous présente Kevin. Bonjour Kevin. Qui est un Chippendale et qui va vous faire tournicoter sa bite au-dessus du museau. J'ai bien fait de venir, moi. Bonne nouvelle. Bonsoir Kevin. Bonsoir Kevin. Ah, ça va Kevin? Ouais, j'ai un copain. Pour l'instant, c'est un copain. Alors Kevin, explique-nous ce que tu fais. Eh bien, je fais de l'hypnose. Baisse les yeux, j'ai peur. Ça marche pas avec les yeux. Mais ça marche avec quoi? La voix. Attends, laisse-toi pénétrer par l'idée dans un premier temps. Excuse-moi, je savais. C'est exactement ça. En fait, ça marche avec de la communication de manière générale. Bon, le regard peut jouer, mais ce sont les mots, ce sont les rythmes. C'est la façon dont on va en fait se servir du... Exactement. Il est con, lui. Kevin, qu'est-ce que tu peux nous faire de probant en 10 secondes, sans te foutre la pression? En 10 secondes. Enfin bon. 15. Non, arrête. Mais c'est vrai, est-ce que si quelqu'un a envie de faire une petite expérience, on peut faire. Géraldine veut faire une expérience. Non, mais Géraldine, il n'y a pas de plan bidonné, t'es au courant de rien. J'avais même pas. J'ai demandé. On se connaît très bien, en fait. D'accord, on a... okay. Non, je te jure, je le connais pas. Non, mais il faut que t'en aies envie. Il a des grands yeux. Hein. Non, moi, je m'entraîne tous les jours, oui. D'accord, il a des grands yeux. J'ai un peu rock. Mais il faut que t'en aies envie. Fais-moi la joie. La joie. La tristesse. L'étonnement. Ça marche bien, déjà. Je peux essayer, clique-moi. Vas-y. Attends. Qu'est-ce que tu veux, déjà? Bah, ça dépend de toi ce que tu veux. Qu'est-ce non, que non. Toi, c'est juste une petite expérience. Mais de quoi forcément... Sur quoi? T'as des grands yeux. Détends-toi, ça va très bien se passer. Alors vas-y, qu'est-ce qui se passe? Non, l'idée, en fait, c'est de rentrer dans un état qui est un petit peu différent, tout simplement. Vas-y. Imagine que ton inconscient commence à être plus présent. Il pourrait se passer des choses qui pourraient être assez amusantes. On ne va pas aller vers des choses trop spectaculaires, mais tiens, si je prends juste ta main comme ça, au début, c'est juste de l'imagination. Il n'y a aucune raison pour que ta main elle tienne toute seule, a priori. Mais imaginons simplement que s'il y avait un fil comme ça qui était relié à ta main, et que tu pouvais juste ressentir que si je bouge comme ça, ça la soulève. C'est tout bête, c'est vraiment juste de l'imaginaire au début. Un enfant pourrait faire ça très facilement. Essayez, Claude Pat. Quoi, ça s'est levé, là? Mais grave! C'est hallucinant! En fait, il y a juste des failles dans le mental et on rentre dans ces failles-là. Non, mais Gilles, tu l'as pas senti monter, ta main? Arrête, je sais pas lever. Il y a un truc qui peut t'amuser. Imagine que tu peux poser des questions à ton inconscient. C'est flippant, c'est flippant. Tu es douillette ou pas? Très. Très, d'accord. Donc si je te pince un petit peu, tu vas avoir mal. Ah oui. Je vais pas le faire trop fort. Hein. Ouais. Mais l'idée, en fait, on va dire, imaginons qu'il y a une échelle de 1 à 10, ou 10, ça serait horrible comme douleur. À 5, c'est moyen. Ça fait mal, quand même. Avec des grands yeux. Attends qu'il échappe de téton, tu vas voir. Je suis super douillette. Hein. J'y vais tout doucement. Okay. Tu me dis si c'est trop. Je te pince là, parce qu'en général, ça va plus vite. Là, si je te pince comme ça, ça a combien sur une échelle de 1 à 10? Ça va. D'accord. Là, c'est à combien? Ça va encore. Si tu devais mettre un chiffre, tu mettrais combien là? 3. D'accord, là. Voilà, là, ça fait mal. Ok, d'accord. Là, c'est à 5, par exemple? Oui, voilà. Ok. Ce que je vais te demander, je vais te repincer de la même façon. Tu vas regarder par là. D'accord. T'as un bon souvenir qui t'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Vraiment un truc très, très agréable. Racontable, hein, mais très agréable. Oui. Ok. Là, c'est à combien, là, la sensation? C'est à 7. Ok. Ferme juste les yeux. Bah, tu fais mal, là, hein? Oui, mais tu vas voir, ça va très vite descendre. Tu fermes juste les yeux et tu vas juste imaginer que tu laisses le corps ici, que tu es juste spectatrice de ce qui est en train de se passer, comme si tu étais à quelques centimètres, voire quelques mètres de la situation. Et j'aimerais juste que tu repenses à ce souvenir-là. Il y a quoi dans ce souvenir-là?
Il y avait mes copains, on était sur scène. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Du plaisir. D'accord. Okay. Elle a combien la douleur, là? 5. Ok, tu vas juste imaginer maintenant que tu rentres dans cette scène-là. C'est un petit peu comme si tu laissais tout ce qui se passe ici de côté et tu te rappelles de ce que tu entendais, de ce que tu ressentais, comme si quelque chose te projetait dans cet endroit-là. Tout ce qui s'y passait, tout ce qui pouvait être ressenti dans ton corps, dans ta respiration, la manière dont tu bougeais, la manière dont tu pensais, jusqu'à avoir la sensation, en fait, que tout se passe là-bas. À combien elle est, la sensation, là? 2. Ok. Imagine que tu vas encore plus loin là-bas, jusqu'au moment où, en fait, il n'y a plus qu'un écho de quelque chose, jusqu'au moment où il n'y a plus qu'une information de quelque chose. Mais t'es juste là-bas, t'es avec des personnes que t'apprécies, t'es en train de jouer. Tu m'angoisses. Ça, combien, là, la sensation? Je le sens pas. D'accord. Ok, tu vas juste imaginer que tu reviens dans le corps, d'accord? Tu reviens bien là, tu reviens bien là. Si je te pince à nouveau, là, ça a combien? Ah! Voilà. Ah, c'est ouf. Putain, ah, c'est ouf. Ouais. Non, ça, c'est fou. Ça. Wow. Donc, on a un effet qui est très, très rapide, hein. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Tu vois, ça marche sur tout le monde. Ça marche pas sur moi. T'as arraché le bras, quand même. Eh, Kevin, je vais t'hypnotiser grâce à Géraldine. Donne-moi un croton. Géraldine va chanter. Je m'attends au pire, là. À la base, tu l'aimes pas? À la base, non. Pour que tu m'aimes encore. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. C'est irrésistible. Raisonnable et nouveau. C'est ainsi par ici. Oui, oui. Que les choses ont changé. Que les fleurs ont fané. Que le temps d'avant. Tant d'avant que si tout s'appelasse, les amours aussi lassent. Je veux que tu saches. C'est quoi le refrain? Cherchez ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses. D'autres dansent tes doigts. C'est vrai que tu fais ça. Mais c'est incroyable ce que tu... Mais tu chantes super quand tu fais ça. Ouais, c'est qu'elle est toujours à 15. Ah non, mais... Un message au Delorant. Au Delorant. J'arrive même pas à parler. Message, message au Delorant. Hey, il y a une brosse à dents. Mais t'habites vraiment là, Laurent? Bon, le dîner, comment vous dire que je n'en peux plus, et j'ai que des gens qui parlent en ancien franc, c'est insupportable. Laurent, il faut que tu saches, quand tu vas aux toilettes, c'est très important de se laver les mains avant. Et une fois que tu as fait pipi ou autre chose, de se laver les mains après. Oh là là, Vanessa, elle est trop belle. Vanessa Demouy, bisous ma chérie. Tu es trop canon, j'adore. Laurent, je pense qu'à chaque fois que tu vas entendre ma voix, tu pourras rentrer dans un état très 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 profond et t'endormir profondément.